Donc, c'est dimanche aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos plus anglophones. De toute façon, je vais faire comme français anglais qui est on dit niveau 2 à peu près, puis qui est bon pour les élèves numéro 2 parce que c'est un peu comme ça qui est dans ta tête. Puis on dit toujours si tu fais la démarche à voix haute, c'est là qu'on comprend la démarche. D'un discernement de logique, puis de trouver la réponse quand c'est à voix haute. Si tu te souviens, c'est un peu plus tôt cette semaine, je t'avais donné l'exemple, j'ai dit, quand la maman, admettons, a fait du gâteau, là, puis le tout petit, puis là, elle explique, ben là, maman est en train de brasser les épinards avec les pêches en purée, parce que oui, on mélange ça, c'est pas vrai, là, on les mélange, OK? Puis c'est beaucoup meilleur, OK? Puis elle le dit à la voix haute pour que la grande fille qui est à côté, elle comprenne. Puis on dit la même chose à la grande fille. Quand tu feras quelque chose, dis-le à la voix haute pour que bébé y entende, OK? Puis à l'autre amour qui est en train de faire ses devoirs, dis ta logique mathématique à voix haute pour que celle-ci entende, OK? Fait que c'est comme ça qu'on apprend, là. C'est pas... Fait que... Je vais essayer de faire un peu plus français-anglais, mais à mon niveau, à moi. Ça, c'est mon galon d'eau, là, qui a été percé. Il y a quelqu'un, c'est sûr, qui est rentré dans mon bureau, là, parce que il manque des papiers aussi. J'avais fait, parce que moi, c'est ça que j'aime faire. Ça veut pas dire que je rejette les gens qui font autre chose. C'est pas ça que ça veut dire, OK? Moi, c'est que j'aime ça faire ça. J'aime ça étudier. De toute façon, je fais de l'exercice du cognitif qu'on dit parce que faut que tu continues. Fait que j'aime étudier français et anglais. J'aime vérifier aussi, perfectionner dans mes matières premières d'apprentissage, du savoir. Puis, j'aime aussi comme faire des choses pour tout en santé, en éducation, en sécurité, puis en droit, parce que ça revient pas mal tout le temps à la même objectif, OK? Fait que je voulais te montrer quelque chose de vraiment beau que j'ai trouvé tantôt sur Internet. Là, c'est l'artiste, c'est Renoir, Monsieur Renoir, OK? Il y en a qui aiment ça faire référence à des toutous parce que la plupart des artistes avaient un chien. Typiquement, pour dire, bon, le chien de Renoir, c'était un épagneul roux et blanc qu'on retrouve dans la plupart. Fait que quand tu vois le chien, parce que là, ça fait longtemps, j'ai dit, je suis supposée d'en faire des vidéos pour... Écoute, 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 parce que je voulais dire quelque chose, parce que j'en envoie aussi au pitou, parce que le chien de Renoir, la photo que je viens de te montrer sur l'ordinateur, les deux belles petites filles, là, avec les chapeaux puis les fleurs, t'as ça, bon, ceci, là, OK, ça, c'est Renoir, là, qui a peinturé ça, avec les pinceaux, puis les couleurs, OK, puis le chien vedette de Renoir, c'est le orange, OK. Attention, tu vas t'en souvenir. Et voilà. Fait que là, je vais essayer de faire plus français-anglais. Là, ce que je voulais dire, c'est que j'avais deux sujets d'ouvert. Hein? C'est comme parce que quand on parle, il faut s'habituer, c'est comme l'ordinateur. Là, je vais fermer des fenêtres, là, parce que là, répéter comme un perroquet, comment on pense, oui, il faut faire ça. Parce que si tu veux qu'il y ait une logique, tu prends la logique que t'aimes, OK? Fait que c'est sûr qu'il y a différentes logiques, hein? On voit le résultat de la recette. Fait que je voulais parler des années où est-ce que les autoroutes au Québec, c'est assez intéressant pour les gens qui sont de l'extérieur du Québec, OK? I want to talking when the first development to the highway to Québec, OK? So the government so have to make some arrangement and expropriation to the cultivator or propriétaire. For go to the construction to the highway autoroute, OK? C'est un dessin, c'est un sujet that where the some propriety and where the cultivator, principally cultivator, to have to make some lose a lot of money to the ground.
cultivables des terres, okay, qui ont perdu beaucoup, beaucoup parce que les arrangements de gouvernement, c'était pas tout à fait nécessairement. Ça pourrait être tout simplement, certains ont pris la maison, I take houses with the platform tractor, okay? I take a house and I go away with the house. So bye bye. I take this is part of, okay? Fait que les arrangements, ça peut être à vérifier. Après toutes ces années-là, on réalise parce que c'est sûr qu'avant, là, maintenant qu'on sait, tu sais, quelques années avant, c'est facile comme détourdir le cultivateur puis, donner à pas grand-chose la valeur, qu'est-ce que ça vaut, okay? Fait que ça, on peut, oui, il y a un retour qui est possible au niveau de la loi, dire, maintenant qu'on vous connaît, là, maintenant qu'on vous connaît le gouvernement du Québec, là, tu l'as engourdi le grand-père, tu l'as engourdi solide le grand-père, t'as massacré tous les membres de sa famille, tu l'as engourdi solide pour dire, hey, ça vaut plus rien, ça fait longtemps, bonhomme, tu t'en occupes plus, ça fait 3-4 ans, là, que tu laisses aller, là, pis c'est insalubre, là, on la ferme, là, on ferme la ferme, pis, ok, c'est ça, exproprier, mais c'est à rabaisser la valeur, qu'on dit, rabaisser la valeur immobilière avant de prendre. Ou appeler à l'inverse quand tu veux faire de l'argent, à l'inverse c'est augmenter la pleine valeur d'une personne, la faire travailler puis augmenter la pleine valeur puis après ça la vendre puis aller chercher profit. Bon, c'est plutôt assez intéressant pour ceux qui aiment ce domaine-là.